Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une poupée cassée classique. Alors la seule différence c'est que moi j'ai décidé qu'à l'intérieur au lieu d'être noire, elle serait rouge, donc elle aurait du sang. Donc là c'est la version sans sang. J'ai fait mon teint hors ligne avec le Light 41 de chez Kat Von D. Et là je viens faire mon contour avec la palette de chez Lunatic Cosmetics. Puis je vais venir faire un blush très poussé avec le Justify My Love de chez Too Faced. J'utilise Ice Cold de chez Jeffree Star pour faire mes zones de lumière et avec le Jumbo Milk de chez NYX, je vais venir faire l'intérieur de mes yeux et sous les yeux pour faire un regard de poupée. Et quand j'aurai fini, je viendrai poudrer avec un fard blanc. J'utilise la palette Norvina pour faire mes yeux et je vais utiliser les couleurs base, love et passion. Et ensuite je viendrai rajouter un petit peu de Wild Child. Avec un pinceau plat et la teinte Passion, je passe sous la zone blanche pour faire un faux drap de cils. Je vais venir mettre du mascara uniquement sur mes cils supérieurs et je mettrai mes faux cils à la fin de la vidéo, mais je n'en mets pas sur mes cils inférieurs puisqu'ils doivent rester blancs et invisibles. Je fais mes sourcils avec Ebony de chez Anastasia Beverly Hills et je les fais un tout petit peu plus arrondis que je les fais d'habitude sur moi. Et toujours avec Ebony et un pinceau pointu, je vais venir faire des taches de rousseur. Pour la bouche, je vais utiliser Cupid de chez Lime Crime. Et pour les cassures, je vais utiliser le NYX Faux Black en teinte Oxblood. Parce que je ne veux pas utiliser de noir vu que je veux que ça fasse un effet de sang. Et je vais faire mes cassures un peu partout sur le visage. Avec du fard noir, je vais venir passer sur les grosses cassures, mais pas sur les petites, simplement pour donner plus de profondeur.
Et avec un tout petit pinceau et le White Out de chez Kat Von D, je vais venir faire des zones de blanc pour créer de la lumière autour des cassures et faire ressortir les cassures. Je mets les fossiles Do I et Drama Queen de chez NYX. Et puis là, on obtient un look de poupée cassée classique. Et voilà le moment de s'amuser. Alors j'utilise du faux sang coagulé sur les parties que j'avais passées en noir. Et je vais venir utiliser le faux sang de chez Meron que je trouve vraiment magnifique pour faire des gouttes. Alors c'est un faux sang qui colle beaucoup parce qu'il est fait au sirop d'érable. Mais il est vraiment magnifique. Du coup j'en mets principalement au niveau des grosses cassures et puis je vais en rajouter aussi au niveau des petites. Jusqu'à obtenir l'effet que j'aime bien. Cette vidéo est maintenant terminée, voici le résultat avec le sang, j'ai le nez qui me démange atrocement donc je vais faire court et n'hésitez pas à revenir demain pour de nouvelles aventures.